Mauvaise nouvelle, la ZAD de Marseille est tombée. Nous vous en parlions la semaine dernière. Les habitants du 6e arrondissement de Marseille occupaient jour et nuit le parc Michel-Lévy, le seul poumon vert de cet arrondissement. Pour empêcher la construction d'un parking à sa place, ils avaient formé ce qu'on appelle une ZAD, une zone à défendre, comme à Notre-Dame-des-Landes, Roibon ou Haute-Estée. Malheureusement, les CRS ont mis fin à la résistance active et non violente. Provisoirement. Compte ce matin à 6h du matin, donc ils ont essayé de nous évacuer mani militari, bon globalement dans le calme, et donc ils ont évacué tout le monde de la ZAD et moi je suis resté tout seul en haut de l'arbre, ils n'ont pas pu me redescendre. L'arbre est tombé, en plus avec tout mon matériel, donc pour moi c'est un gros chagrin parce que maltraité le vivant comme ça, donc voilà, pour moi ça reste des gens qui sont ignobles. Ils avaient le droit de retrait en tant qu'élagueur, ils auraient pu ne pas le couper tout simplement. De déplacer une foule de forces de l'ordre que je respecte pour une histoire comme ça privée, parce que s'ils veulent exproprier les gens, il n'y a pas besoin d'une armée. Il y a mieux à faire dans ce pays. Et pourquoi ils ont coupé le micro-coulier? Tout simplement, c'est un grand symbole pour nous. Ils nous ont tués dans notre âme, mais le combat n'est pas terminé.